Le Skinwalker est une créature issue de croyances des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Bien que pour beaucoup, le Skinwalker n'est qu'une simple croyance, il y a ceux qui prétendent avoir eu de réelles rencontres avec ces entités. Oh. Dans les croyances, le Skinwalker est décrit comme étant un chaman maléfique, capable de se transformer en animal. Une créature très sournoise qui aurait la capacité d'imiter des sons d'animaux, mais aussi des voix humaines. Le but étant d'attirer la victime, de piquer sa curiosité pour que celle-ci s'approche et se fasse dévorer. Hello? Un homme voûté qui est en train de marcher à quatre pattes, totalement nu. Il va hurler avec une voix féminine, « Au secours, je suis perdu !» Dans la culture navajo, parler des skinwalkers est tabou, car cela pourrait attirer leur attention ou leur malveillance. Dans leur système de croyances, le chamanisme joue un rôle central. Tandis que la plupart des chamans utilisent leur pouvoir pour le bien. I'll get it. There's somebody in the house. Go! Go! What the fuck was that? What the fuck? What the fuck? Go. Do you hear your phone? Fuck! Oh, fuck. Fuck, fuck. Just stay up there. Don't come down. What the fuck? There's this huge statue of an owl. What? Oh my god. That's a fucking dead body. Where are you going? Where are you going?
Voilà, j'espère que j'aurai réussi à vous faire un petit peu peur pour ce soir d'Halloween. Comme on dit, c'est l'intention qui compte, hein. J'avoue, je vous ai mis un petit avertissement en début de vidéo, histoire de vous stresser, histoire de vous dire « Attends, mais c'est quand qu'il arrive le screamer ?» Mais en soi, la vidéo était plutôt soft, je trouve. C'est un genre de thread audio que j'ai trouvé sur la chaîne YouTube Somber Studio. Normalement, tu fermes les yeux et tu imagines un petit peu tout le film. Et la première fois que je l'ai fait, d'ailleurs, ça a marché pour moi. J'ai pu visualiser tout ce qui se passait. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai trouvé ça même un petit peu stressant, donc j'ai voulu tenter ce petit format sur la chaîne. J'ai créé toute une mise en scène autour, j'ai ajouté pas mal d'effets sonores pour essayer de vous faire peur, donc voilà, j'espère que ça aura marché un petit peu en tout cas. Pour ceux qui ont eu peur et qui auraient envie de se venger un petit peu, sachez que demain, je poste une vidéo où c'est moi qui ai peur. Voilà, c'est en fait une vidéo dossier, on va dire. C'est une vidéo qui regroupe tous les moments où j'ai sursauté de peur lors des vidéos gaming, lors des lives. Voilà, ça regroupe tous les moments où j'ai un petit peu presque frôlé la crise cardiaque. Alors, c'est pas une vidéo qui regroupe que des moments où j'ai eu peur, hein. C'est un genre de best-of qui regroupe, voilà, tous les meilleurs moments que j'ai passés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée d'Halloween. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.